Allez, bonjour à tous les amis, c'est Titi Eurotruck et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 pour la bêta 1.18. Voilà, donc on est sur la bêta 1.18 qui vient tout juste de sortir, il vient de sortir il y a à peine un quart d'heure. Donc je l'ai téléchargé en temps record et je l'ai installé de suite, j'ai joué de suite. Je n'ai pas attendu une seule seconde. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a de cette nouvelle mise à jour? Et bien déjà, il y a pas mal de choses. Déjà, j'ai remarqué une petite nouveauté. Vous allez le remarquer quand je vais démarrer le moteur. Il y a une petite nouveauté qui me plaît vachement. Qui me plaît énormément. Il y en a une qui me plaît mais énormément cette mise à jour. Vous allez comprendre ce que c'est. Donc je vais démarrer le moteur et vous allez voir de suite ce que c'est. Hop là, voilà. J'ai démarré le moteur, sans phare ni rien, et il y a les feux qui s'allument. Et si j'arrête le moteur, voilà. Parce que si là si je mets le veilleuse, voilà, là il y a les veilleuses. Là il y a les phares, voilà, le moteur est éteint. En fait, maintenant, quand on démarre la bestiole, il y a des feux, et les feux maintenant, il faut les feux diurnes. Je m'explique, les feux diurnes, c'est les feux, tout simplement, de jour, voilà. Et si je mets les veilleuses, voilà, c'est... Ah, mauvais fonctionnement du moteur. Excusez-moi. Ah. Le moteur était un petit peu endommagé. Ah bordel, on peut voir si le moteur il démarre ou pas. Voilà. Ici je mets les phares. Paf. Voilà, ça s'éteint. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est super sympa de regarder ça. C'est super sympa. Ici j'ai les phares, hop, ça remet les feux diurnes. Vous pouvez voir, je suis tout simplement... Eh bien, je n'ai pas de phares. Et il y a, juste que les feux diurnes. Et ça n'empêche... C'est tout simplement magnifique. Je crois que je suis passé avec une voiture qui arrivait, putain. Bon, mais, bon, mon dieu. Bon, oui, ça commence bien, hein, ne vous inquiétez pas. On va se stabiliser. Mais voilà. J'ai décidé de faire cette vidéo. Donc, cette vidéo, elle va se dérouler en deux parties. Donc, on va rouler un petit peu. Donc, je voulais vous présenter un petit peu... les phares. Mais est-ce que ça éclaire vraiment plus? Ça c'est super sympa, n'empêche. Ça c'est super sympa. Et ça, j'adore. Parce que les feux diurnes de jour, c'est tout juste magnifique, quoi. Donc même plus besoin de mettre les phares, les veilleuses, parce que j'adore faire les photos sans les veilleuses, avec les veilleuses. Et donc là, on a juste qu'à démarrer le moteur, on aurait les veilleuses. Bon, moi maintenant, c'est plus de veilleuses. Maintenant, les veilleuses, voilà, hein, on peut être le moteur. Voilà. Maintenant, ça reste que c'est les feux diurnes de jour. Et si je mets les phares, enfin, ça allume que les phares, mais si j'étais le moteur par contre, ah oui, j'ai oublié, voilà. Ça c'est tout juste super sympa. Alors bravo à cette software, donc on est sur le même point d'hésite bien entendu. Donc on va sortir de, donc on va direction Rotterdam pour aller au concessionnaire Mercedes. Parce que ça c'est une petite nouveauté que j'ai trouvée. Mais vous attendez tous la mise à jour, la mise à jour, le Mercedes, vous l'attendez tous les amis. Et oui, vous l'attendez tous. Donc on va aller l'acheter, on va aller le tester, hein. On va aller tester ce petit Mercedes, le nouveau Mercedes MP4, tout le monde l'attend. Donc on va pouvoir le tester tranquillement pépère, hein, sur cette vidéo. Du coup je vais faire la vidéo, oui, au pire, ouais, il nous reste 200, ouais, ouais, allez, on va faire une vidéo entière, hein. Donc pour ceux qui veulent regarder la vidéo, je vous mettrai dans la vidéo, je vous mettrai le temps à partir de quelle minute vous pourrez regarder directement le Mercedes. Voilà. Voilà, pour ceux qui veulent pas regarder entièrement la vidéo, je pense qu'il y en a qui le feront, hein, après voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Je vais vous dire ce qu'il y a, les changelogs. Donc bien sûr c'est compatible SDS et Scandinavia, bien entendu. Hein. Il est bien sûr compatible DSC Scandinavia, cela va de soi. Bon, on n'ira pas sur le DSC Scandinavia, hein, on n'ira pas du tout. Hop là. Allez, c'est parti. Donc on a... qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Donc on a le nouveau camion Mercedes Actros New. Voilà, le nouveau Mercedes-Benz Actros. Marque Mercedes-Benz qui est dans le jeu maintenant. Voilà, donc on aura la marque du Mercedes-Benz dans le jeu. Ce qui est plutôt bien. Donc on a aussi l'amélioration de la végétation, distance de végétation préfabriquée, rééquilibrée, d'autres paramètres, voilà. Il y a des petits trucs supplémentaires, les paramètres on ira les visionner un petit peu plus tard.
On a les DRL, voilà, feu de jour. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Même sur le Mercedes, il sera, et ça c'est parfait. Donc c'est pas sur les vieux, donc les feux diurnes, donc les feux DRL, les feux de jour, voilà. Les feux diurnes, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que j'ai trouvé pour Evico Highway. Donc on testera sur Evico Highway aussi. On testera sur le multi sur l'Evico Highway quand ça sortira en 1.18. Quand ça sera sur 1.18, on testera. Mercedes-Benz Attraction testera. DAF XF06, mais c'est sur les nouveaux Volvo en fait, c'est sur les nouveaux véhicules qui sont sortis. Comme tu l'as, voilà. Le Volvo en fait partie. Voilà, c'est sur les nouveaux. Nouveau skin de remorque. Nous avons aussi de nouvelles radios, donc ça, je ne me pas trop tuer. Soutien des pieds aux piétons. Le support de multiples animations. Voilà, il y a de nouvelles animations. Alors je ne sais pas. C'est quoi comme animation, je n'en sais rien du tout. On le verra bien plus tard. Dessin de volume englobant. Le soutien à l'ouverture de modèle de mode. Putain. Sur la route, sur la route, sur la route, sur la route. Sans aucun dégât. BG. Voilà. Plus de mi-correction mineure dans les modèles et la carte. Et apparemment il y a un petit problème. Problème connu, New Actros SFX doivent encore rééquilibrer, putain. Stop. 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 Ça c'est sympa ça. Hop, si je l'ai eu, c'est pas. Tac, voilà. C'est bizarre de voir les phares. Les clignots avec les phares. Même les phares sont des quoi. Mais non, c'est ça, pardon. Voilà. Ah ouais, ça fait bizarre. Allez, hop, on passe en 11e direct. Donc voilà. Ceci est une version bêta. Donc voilà, c'est le. C'est le. J'ai récupéré toutes les informations que je viens de vous donner. Je l'ai récupéré sur le blog de SS Software. Voilà. Je viens de récupérer tout ça sur le blog officiel de SS Software, pardon. Par contre, on va regarder la carte. Donc on va prendre. Ah merde. Putain, merde. Écoute, on va passer par Amsterdam et on passera par Rotterdam. Voilà quoi. On va booster au taquet. Voilà, on va y aller à fond les ballons pour pouvoir tout simplement essayer de boucler cette vidéo en demi-heure. Voilà, tout simplement. On va essayer de boucler cette vidéo en demi-heure. Voilà. Ah, c'est plaisir de refaire des vidéos comme ça sur des nouvelles tests bêta. Moi, ça me plaît. Oh putain. Je voulais tellement vite que voilà, maintenant. Mon volant qui se fait la malade. On va mettre les phares. Allez hop, c'est parti. En plus, alors oui, j'ai eu des petits problèmes de PC. Hein. Donc je voulais, pour ceux qui suivent enfin Facebook, vous le savez, j'ai eu des petits problèmes de PC. Le disque dur qui s'est arrêté et qui est reparti, je ne sais comment. Donc j'avais perdu, alors pour savoir, c'est surtout un IRL que j'avais perdu. J'avais perdu mes rapports de stage et tout pour l'oral. Le pire, c'est que j'ai perdu tout ça, mais le lendemain, je passais l'oral. Donc là, c'était vachement génial. J'ai tout perdu la veille où je devais passer à l'oral final pour le bac. Donc voilà, donc je me suis bien fait baiser. Donc j'ai dû passer une nuit entière, une nuit blanche pour tout refaire. Donc je vous dis pas la tête du lendemain matin. Bref, ça s'est passé, voilà, j'ai fini, j'ai fait l'oral, voilà, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Maintenant, c'est pas ça qui me préoccupe le plus. Maintenant, on va continuer sur cette bêta. On va aller regarder un petit peu, mais regardez. Ça, ce que j'adore, c'est vraiment les feux de jour. Ça, franchement, c'est ce que j'adore le plus. Voilà. J'adore les feux de jour. Moi, j'aime bien rouler avec des pas avec les codes, mais avec les. Ne serait-ce que les petites veilleuses, quoi. Voilà, des veilleuses. Moi, j'appelle ça des veilleuses. J'appelle ça des veilleuses, mais ça peut faire. Voilà, maintenant, c'est les feux DRL. Là, ça a été changé. Maintenant, c'est des feux de jour. Alors c'est très sympa quoi, voilà. Donc ça permet de voir si le moteur est démarré. Pour les nouveaux véhicules bien sûr, si le moteur est démarré ou pas. Donc bien sûr quand le Mercedes sortira sur le multi
Oh putain. D'accord. Il nous ramène nous à Duisburg. Eh bien c'est génial. Génial, putain de merde. La 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 l'air. Eh bien écoutez, puisqu'il va ramener direct à Duisburg, eh bien on va prendre la petite route. On va prendre une petite route qui va nous mener directement à Rotterdam. Il est minuit du matin. D'accord. Minuit du matin. Putain mais non mais moi. Et moi je vais pas bien Stasi. Putain. allez, let's go. Ah oui, si je peux pas la vitesse. Hop. Allez hop, on met la le GPS. Donc il faudra tourner la première à gauche. Il faudra faire attention. On va mettre des plafards. Parce qu'on n'y voit pas grand chose. Oh. Ah oui, il m'a fait des appels de phare parce qu'en fait j'avais plafard. Autant pour moi. On va rester sur la. On va rester un plafard et après si ça gêne. Alors on dirait que les phares ils ont été améliorés. Je ne sais pas si c'est cela ou pas. Donc c'est où il faudra tourner après Ah d'accord, mais maintenant il nous fait passer par là. Comme ça, voilà quoi. Il nous fait passer par là où je voulais passer. D'accord, que demander de mieux hein. Ah. Allez hop. On va essayer de... se dépêcher. Hop là, oula, tu recules, tu freines toi mon gars. Hop, 9ème direct. Voilà, on va mettre des plafards. Allez, c'est parti. On va foncer comme un taré. Donc on va passer direct à Rotterdam, hein. On s'arrêtera pas. On annulera la mission, c'est juste pour avoir un petit GPS. Non, c'est franchement, c'est bien sympa d'avoir des feux diurnes, je crois qu'on appelle ça, hein, si je me souviens bien. Car tout simplement, voilà quoi. Hop, on va tourner. Alors j'ai reçu un message Steam. C'est pas grave. Il y en a qui me demandent de venir sur mon serveur TS, pourquoi pas. Ah. Allez, on reprend. Regardons la carte. Donc c'est bien la route. Donc après, il faudra prendre direct tout droit. Hein. Ne pas oublier. Voilà. Allez, hop, on fonce les amis. On va tenter de choper. Alors par contre, le camion, tu as intérêt à booster. Hein. Bordel. Non, moi les feux diurnes, c'est tout juste, j'adore. Alors là, de la mise à jour 1.17 et 1.18, pour l'instant, c'est des mises à jour qui marchent, quoi, voilà. Là, il y a beaucoup de monde qui adore ça, quoi. Là, ça donne envie, quoi, c'est ça qui vient. Ça donne envie, et c'est pas plus mal. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Franchement, c'est juste mais majestueux, quoi, tout ça. Voilà, quoi, il n'y a pas d'autre mot. C'est juste mais magnifique. Donc voilà quoi. Allez hop, on fonce comme un taré. On va essayer d'accélérer le plus rapidement. On essaye d'accélérer le plus vite possible. On fonce pour aller chercher ce Mercedes. Je vais foncer comme je peux. On va essayer de foncer. Je suis attaqué sur la pédale, donc je peux pas aller moins vite que cela. Et je remarque que mon jeu est un peu plus stable. Alors est-ce que c'est à cause du PC? Alors sur le bureau ça rame, mais maintenant sur le jeu ça bug moins. Je suis plus fluide dans le jeu, pourquoi? Non, je sais pas ce qui se passe. Alors mon PC il merde complètement. Bon ben... on tente de tenir, voilà, on va tenter de garder le cap. J'espère que je vais réussir. Voilà. Normalement il n'y a pas de problème. On va tenter par tous les moyens d'y arriver.
Hein, je vous le dis. Alors, on est loin encore ou pas? Non, on n'est pas loin. Allez, fonce, coco, fonce. Et je suis à 130 déjà. Je suis à 130 sur une petite route, tout à fait logique. Pas trop, tourne pas trop, tourne pas trop, tourne pas trop, tourne pas trop. Voilà. C'était le risque. Ah, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fout d'arrêter un peu mieux, lui? Bon, c'est pas grave. Les feux diurnes, c'est tout juste magnifique. Les feux diurnes, oui. Bon, j'appelais ça les feux diurnes. Hein. Pour moi, c'est les feux de jour. Je sais même pas pourquoi je dis. C'est les feux. Donc, on va appeler ça les feux de jour. Feux diurnes, c'est pas. Je crois que c'est pareil. Si mes souvenirs sont bons. Hein. Donc, ces feux de jour, c'est tout juste les DRL. Voilà, on va appeler ça DRL. Voilà. Les feux de jour, c'est tout juste magnifique. Voilà quoi. C'est. Y a pas d'autre mot. Hop. On va freiner. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal. Solidaris, c'est la mutualité qui offre la protection optimale pour vos enfants. En plus de plusieurs frais médicaux, Solidaris couvre désormais les médicaments génériques, la logopédie et même les frais d'optique. Découvrez comment Solidaris protège les enfants qui n'ont peur de rien sur solidaris.be. Panos présente les feux du four. T'as vu ? Oula, et pourquoi il a planté là ? Oula. Bon, on recommence. Allez, on repart. Ah oui. D'accord, donc là j'ai fait une belle connerie. Hop là, on va faire marche arrière. On va essayer de se repositionner comme on peut. Voilà, allez, c'est bon. Par contre, on va lever le plafond, histoire qu'il n'y ait pas de... deux problèmes. Voilà, voilà. Hop. Donc... allez. Allez, 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 fonce mon coco. Il nous reste 100 bornes. Donc là, on a pris la bonne direction. On a encore trop peu de direction, putain. Ah, ça, ça fait pas ça. Ça la fout mal, bordel. Est-ce qu'on peut se TP quelque part? Non, pas du Duisburg. Bon, ben, ce que je vais faire, je vais continuer, hein, tant pis. De toute façon, je mettrai le lien du truc pour le Mercedes. Voilà. Pour ceux qui veulent voir le Mercedes, juste avant de l'acheter, je le mettrai. Voilà, je mettrai le... pour regarder Mercedes, vous regarderez à tel temps de vidéo. Vous regarderez à tel temps de vidéo pour pouvoir regarder le Mercedes. Voilà. Tant pis, c'est pas grave. Donc du coup... allez. Allez, je suis un deuxième déjà. Lol. Allez hop. Attention, il nous reste 80 km, il nous reste pas grand chose. On va livrer et après on partira direct vers, vers Rotterdam. C'est pas loin. C'est tout près. On va dire ça. Salut. Allez, on se rabat. Oh putain. Allez. Hop là. Hop là. Wow, 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 wow. Tous pas mon gars. Voilà. On va continuer. Attention.
Voilà, parfait. Le moins ça ralentit drôlement. Là maintenant on va monter. Normalement il montait. On a entendu des petits bruits de siège. C'est assez sympa. Donc voilà quoi. C'est juste super sympa de voir des trucs là, mais j'ai hâte de voir ce Mercedes. J'ai hâte de le voir, voilà. J'ai vraiment hâte de tenter ce Mercedes et de faire un petit test, voilà, pour rouler, voilà quoi. Pour tester tout simplement, ce sera sympa. Hop là. Allez, en France, il nous reste 23 bornes. Bon, pff, on est arrivé quoi. Allez, on double. On double le camion. Salut mon gars. Coucou. Oui, je sais, je t'ai doublé. Désolé. Il faut être encore plus rapide que ça. Voilà. Allez, là il y a une station service là. Ouah, il y a une station service. Il y a une station service. Oh putain, il y a quelqu'un qui arrive en face. Donc du coup. Tu t'emballes pas le camion, hein. Ne t'emballes pas le tuyau quand même. Hein. Amsterdam. Donc Ben à fond. On arrive dans la ville de Rotterdam. Donc bien sûr là il n'y a pas de bouchon, un aéroport, un truc comme ça, parce que bien sûr on est en solo. Donc là on peut passer tranquillement. Voilà. Amsterdam découverte. Et oui, on a découvert Amsterdam parce que c'est la save pour les tests de bêta. Pour le test de bêta, mise à jour et test de bêta. Voilà. Ceci des mises à jour qui arrivent sur le multi, voilà. C'est surtout pour les tests bêta. Pour les cas il y a des tests bêta, je fais des tests bêta sur cette sauvegarde. De nouveaux camions ou de tests bêta, voilà. C'est surtout pour les tests bêta que je fais des tests sur cette sauvegarde. J'en ai créé une, après j'ai une sauvegarde pour multi, une sauvegarde pour mes vidéos là sur la complicated road. Voilà quoi, un peu pareil de tout quoi. Voilà. C'est où il faut livrer? Ah, c'est là-bas. Je ne vais pas aller chercher le garage. On fonce direct à Rotterdam. On va carrément foncer comme un fou, comme un fada, comme un soldat. Ok, je sors. Ah là là, je vous jure. T'es d'ailleurs, et même le DAF ici. On va essayer. Allez, je sais ce que je vais faire. Non, on va pas besoin d'acheter de... Mais non, faisons. On va même acheter le garage pour mesure d'application. Hop, on va pas se faire chier. On va aller acheter le... Wow, doucement. Calme-toi. Doucement, camion. C'est pas peine de s'exclamer, bordel. Hop, on va aller acheter le camion. Le DAF, on va acheter un DAF Euro 6, tiens. Mais attendez, c'est fermé. C'est con, c'est fermé, il est 3h du mat. On va aller faire dodo. On va... voilà. Et voilà, et là, paf, les feux d'un de jour. C'est le moteur. Voilà, ils sont... Voilà. Hop. 8h, ils se foutent. Ah d'accord. C'est dimanche en fait. Non mais le truc il me troll. Pourquoi on dit dimanche putain? J'y crois pas. J'y crois pas.
Je n'y crois pas. Hop. Hop, on va dormir. Ah putain, 6h. Ah bon, ben on n'a pas le choix, il faut aller on va acheter le garage. Allez, on va acheter le garage. C'est fermé jusqu'à 8h. Il est 6h, c'est caté. Ah, il manque une heure peut-être. On s'est fait troller. Bon ben, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, hein? Hop là, allez, à fond les ballons. On va l'acheter le garage. Du garage. Et on part direction Rotterdam. Pour aller chercher notre petit bahut. Notre petit Mercedes. Hop. Acheter le garage, oui. Merci. Hop. Alors. Carte du monde. Hop, on va aller chercher la... On va prendre la carte. La carte du jeu. Donc il faut partir. Donc on ressort. On descend et on prend. On va à droite direct. Ok, d'accord. On va faire ça. Voilà, parfait. Voilà, et là on va à droite direct. Voilà, direct. Rotterdam. Oups, désolé, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas repéré mon balai aussi. Hop là, allez, on met direct la 12e. Maintenant on va foncer. Hop, on fonce, allez, on tire à fond là, direction Rotterdam. Alors c'est sûr que comme on va être plus léger, et du coup le camion il va accélérer vachement plus vite, il y aura vachement plus de vitesse. Putain, mais il se fout sérieux là. Et tirez-vous, putain, je suis pressé moi, bordel. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il se fout sérieux là. Bon, à part refaire chez vous bien sûr. Non mais attendez, il se fout de ma gueule là. Ce que je vais faire, je vais le doubler moi. Hop là. 20%, braffé. Allez, allez. 150. C'est sûr que le camion là, il fera cher. Allez, fonce coco. De toute façon, tant qu'on peut foncer, on fonce. Oh putain, là il va prendre la vitesse en plus. Oh le con, il prend la vitesse. Oh my gosh, 100, 67. Couverte. Parfait. Donc. Alors. Rotterdam. On va aller direct au garage. On va pas s'embêter. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Limité à 100 ici. What? XD.
Où est le camion? Il est où le Merco, bordel? Où est ce putain de Merco? Où est le putain de Merco, bordel? Je veux le Merco, putain. Il doit être derrière, là, peut-être. Je ne sais rien. Ah. Là, c'est un peu chaud pour reculer, là. Hop là. Désolé, je fais demi-tour, hein. Personne n'a rien vu. J'espère que c'est là. Oui. Voilà. On a découvert le truc Mercedes, les amis. Concessionnaire Mercedes découvert. Regardez-moi ça. Allez hop. On rentre dans le concessionnaire. Voilà, maintenant, donc maintenant, ah. Le vrai logo. Ça fait plaisir. Donc maintenant, on va chercher la nouvelle bestiole. Voilà la nouvelle bestiole. Voici le nouveau Mercedes. Donc on va bien sûr... alors, personnaliser la configuration. Ah oui, là c'est sympa. Donc déjà, notre autre truc de cabine, on a le Giga Space. Hop. On va garder le Giga Space, hein, on va mettre la plus grande. Châssis, il y a même des essieux relevables. Mais bon, pour ça, je vais garder le 4. Le moteur, on peut aller jusqu'à 625. C'est pas très très puissant. On va regarder l'intérieur. Waouh! Alors là, voici l'intérieur du Mercedes. Il est tout simplement magnifique. Même les petits boutons qu'ils ont fait et tout. Le volant est super sympa. On va mettre l'intérieur exclusif. Hop. On va changer la peinture, on le fera après. Hop. On va mettre des gyros. On va mettre des feuilles. Ah. On peut mettre que 4 sur ça. D'accord. Pourquoi pas. Hop. Joli Mercedes. Hop. On a le truc pour long aussi. Ah non, pièce d'origine. On peut mettre aussi un pièce d'origine, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là, le lobar. Les carénages latéraux, voilà, c'est ce que je cherchais. Très joli Mercedes. On va mettre comme je le mets comme d'habitude. Hop, confirmé. Et voici notre nouveau Mercedes. Conduire, oui, bien sûr je vais conduire, attendez. Oh. Alors l'autre on va le mettre à... mon Volvo bien sympatoche, on va le mettre là-bas. On a maintenant la signe de Volvo à Amsterdam. Donc voici le Mercedes. Merci Mercedes. Donc on va tester le moteur. Sympa. Ah oui, il y a les feux diurnes là en bas. Les feux de jour, d'accord. On va regarder l'intérieur. L'intérieur est tout juste magnifique. On va tester, on va redémarrer. Waouh. Oui, l'écran est tout juste magnifique. Oh putain, qu'est-ce qu'il a là? Qu'est-ce qu'il a là? Ah oui, c'était un petit bug de démarrage. Alors oui, il y a quelques bugs encore, hein. C'est tout à fait logique. Et bien, ce que je vais faire, et bien, on va tester de suite. Hein. Et bien, on y va, c'est parti. On va tester le klaxon. Écoutez le bruit. Alors par contre le bruit on l'entend pas.
on n'entend pas. Ah d'accord, il y a 4 vitesses de marche arrière en plus. Il y a même 4 vitesses de marche arrière, putain. Freine. Cette semaine exceptionnelle. Allez, ce que je vais faire, on va tester. On va aller tester la marche arrière. On va aller tester sur la route. Direct la marche arrière. Waouh, tout juste magnifique ce camion. Ce camion quoi, c'est tout juste sympatoche quoi. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme couleur? Oui, non, on va mettre la couleur comme d'hab. Voilà, bien. La peinture que j'aime comme d'habitude, jaune pareil, hop. Hop, et le bleu, mettre comme ça, voilà. Voilà. Hop, c'est mes camions comme tout le temps, maintenant c'est ma signature. Juste magnifique. Qu'est-ce qu'il y a comme cadre? Ah oui, c'est super sympa. Non. Hop, c'est tout juste magnifique ce Mercedes. Il n'y a pas d'autres mots. Ouais, c'est super joli. Alors ce qui serait bien, c'est de pouvoir descendre les vitres. Ça serait une belle fonctionnalité de plus. Donc voilà, maintenant on a le logo vrai de Mercedes. Voilà, donc tout ça, ce sera dans la pointe de visite, un vrai. Bientôt on aura le logo de Mercedes, donc en fait on aura toutes les licences des jeux. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va aller à Amsterdam pour que je puisse aller acheter. Est-ce que je peux faire vendeur de camion? Est-ce que je peux acheter en ligne? Oui, je vais aller à Amsterdam. On va tester vite fait hein, les fonctionnalités du DAF. Au pire, ce que je vais faire, je vais prendre une mission rapide. Hein. Après, on se requittera sur le Mercedes. Hop, échappe. Ah oui, donc ça fait un superbe camion. Hein, voilà. Il y a même des petits feux du jour bien sympatoches. Est-ce qu'on pourrait avoir des hélicos highway aussi? On va tester les deux. Hein. Je le répète, c'est une mise, c'est des tests bêta. Donc voilà, je les annule. Après, voilà. Alors, voiture Volvo. DAF 6. Hélico, c'est des hélicos highway que je cherche bêta. Man, DAF. C'est parti pour 40 minutes de non-stop Mercedes avec Fabien sur Fun Radio. Voilà, vous voyez déjà. Voilà. Voilà. Alors on va prendre une mission. Bien sûr, on va annuler la mission, bien sûr. C'est juste pour tester les feux de jour. Voilà. Quand je teste un truc, je préfère le tester. Quand j'ai un truc qui me plaît bien, je préfère le tester partout. Voilà. Tout simplement. Alors. Voilà. Si je le... Ouais, là, il est clair. Sympa. Sympa. On va annuler la mission.
qui va me recharger le jeu pour le Mercedes. Voilà, ce qui est logique. Donc la vidéo l'aura fait 45 minutes, voilà. Hop, on va chez le marché du travail. Mission rapide, pardon. Et on va tester le DAF Euro 6. Alors, est-ce que j'en ai un pas loin? Oui, ici. Voilà. Donc du maintenant, on va tester le DAF Euro 6, les feux de jour. Donc je ne sais pas du tout où ils ont foutu. On verra bien. Sur les Vico, j'avais une petite idée. Sur le Volvo, bah, c'est une belle idée aussi. Hop, on va regarder. Alors peut-être qu'ils se vont, je ne sais pas, on va tester. Il fait un bon bruit. Donc ce que je vais faire, enter s'il vous plaît, voilà, la mission, oui, je connais le topo, bien sûr, je connais le topo. Alors, voilà, donc on va retourner sur Mercedes, on va s'arrêter là, sur le Mercedes-Benz. Donc bien sûr la vidéo vous l'aurez le jour même où je l'ai tourné, hein. Cela va de soi. Allez, donc on va aller sur le Mercedes. Allez, démarre mon coco. Allez, on va aller sur le Mercedes. Allez, on va faire un petit tour sur ce beau Mercedes. Donc on va se rester sur ce Mercedes-Benz. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Oui, j'ai grillé le feu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Euro Truck Simulator 2 sur le test sur le public bêta, sur le test de la public bêta 1.18. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, à vous abonner. On est déjà à 553 abonnés, 551 pardon. Merci, 552 même. Pardon, excusez-moi pour les petits bugs. Merci à tous pour votre merci à tous de vous abonner, ça fait super plaisir, ça fait plaisir de voir plus de monde sur ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir, ça finit par payer et c'est super sympa. Allez, merci à tous, nous, je vais vous laisser sur ce Mercedes, sur la route bien sûr, voilà, hein, tranquillement. Oh putain, alors là, oui, ça c'est les... ah d'accord, il y a même des voyants qui s'allument de tout partout, c'est super sympa. Allez, on va se rester sur ce Mercedes. Merci à tous et à la prochaine. Ah oui? Le logo Mercedes-Benz aussi, j'ai pas remarqué ça. Ah oui, ça se fout tout le temps ça, c'est un peu chiant. Allez, je vous regarde cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.